Depuis que je suis enfant, j'adore venir me balader sur les ports. Je regarde tous ces bateaux et je rêve un jour de pouvoir partir sur l'un d'eux et de vivre au rythme du vent. Partir pour un tour du monde, franchir les caps. Mais à chaque fois je viens, je m'assois et puis je repars chez moi. Mais aujourd'hui, ça va changer. Je vais contacter le meilleur vendeur de bateaux de toute la côte et m'acheter mon bateau. C'est décidé. Ah bonjour! Bonjour! Alors, qu'est-ce qu'il veut le champion? Je vous ai contacté en fait, ouais, parce que j'aimerais faire un tour du monde en bateau. Un tour du monde, mais pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Bah, regardez, vous êtes à Antibes. Ouais. Vous allez faire tour du monde. Ouais. Vous partez d'Antibes, vous allez faire le tour du globe, jusque là on suit. Hein. Ouais. Et après, vous allez revenir à Antibes. Donc, quel est l'intérêt à une vache près de faire ça, quoi? Non, mais le but du tour du monde, c'est de voyager, rencontrer des cultures, voir d'autres lieux. Non, laissez tomber. En fait, moi, ce que j'aimerais, ouais, c'est un bateau pour aller loin, ouais, et longtemps. D'accord, donc il vous faudra un grand bateau pour accueillir beaucoup d'équipage. Ouais. Et arriver à l'épreuve de tout, quoi. Ah ben oui. Donc, retournez-vous. Oui. Il y a tout à fait le modèle qu'il vous faut ici. Ah la vache, ouais, il est beau. Il est beau, hein? Vous êtes sûr que je peux me le payer, ça? Parce que... Oh, quand même. Vous voulez faire un tour du monde, vous n'allez pas prendre la barcage du coin. Ah, vous, ouais, devez vous payer ça, à minimum. D'accord. Ah oui. C'est quoi votre banque? Banque Pognon. La Banque Pognon, ok. Oui, allô, bonjour. Oui, j'appelle par rapport à votre client, oui, le 306-409, oui. Et il souhaite acheter un bateau, un yacht. Allô? 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 Allô, allô? Allô, madame? Allô? Ils ont raccroché. Ah, c'est... Du coup, c'est plutôt bon signe? Une banque qui raccroche. Ouais. Alors qu'on n'a même pas évoqué les prix, ouais, c'est très mauvais signe. Ah, c'est pas bon. Du coup, moi, je peux vous proposer une autre alternative. Oui. Plus abordable pour vous, je pense. D'accord. Un bateau un peu plus petit, qui se trouve un peu plus loin au fond. Oui. Donc, si vous voulez, on peut aller le voir. Eh ben, allez. Allez, je vous suis. Allons-y. Ah, ben là, ah, voilà la merveille! Ah ben, c'est marrant, c'est exactement moi ce que j'imaginais, vous voyez? Un voilier de voyage, grand, pour un tour du monde, parfait. Là, merveille. Où ça, une merveille? Là. Là. Là, merveille. Quoi, ça? Ben oui, tout à fait adapté à votre budget. Tout à fait ce qu'il vous faut pour le tour du monde, oui. Vous êtes sûr de votre coup quand même? Mais oui, mais de toute manière, écoutez, avec votre budget, le tour du monde, vous pouvez pas espérer mieux que ça. Non mais attendez, mais vous manquez quand même pas de souffle. Non mais attendez. Non mais c'est bon. Après, je vous vois à perdre déjà là. Ah non mais quand même. Maintenant, j'ai mon bateau. Bon, certes, pas celui que j'aurais voulu, mais un bateau quand même. Mais il me manque une chose importante, un équipage. Il suffit que je passe une annonce et que je passe quelques entretiens pour avoir les marins les plus passionnés. Candidat numéro 1. Ouais, c'est moi. Ah, salut. Bonjour. Ça va? Installez-vous là, faites comme chez vous. Merci. Alors comme ça, on cherche un équipage pour faire un tour du monde? Coquin, là. Coquin. Enfin bref, normalement, moi, en fait, ce que je cherche, c'est, vous voyez, c'est un équipage. Ce que j'aimerais, moi, c'est trouver des gens pour partir loin dans l'horizon, vous voyez, voguer sur les mers les plus bleues, les océans les plus grands, vous voyez, chercher dans l'infini ce qu'on peut trouver à côté, découvrir le monde dans son immensité. Ah mais moi, je suis partant à fond pour tout ça. Ah bah oui, t'as pas... ça m'étonne pas. Mais juste une petite question. Ouais, dites-moi. Il va y avoir de la petite meuf? De la petite meuf, je comprends pas. Bah ouais, déjà dans l'équipage, il y a combien de meufs? Dans l'équipe. Bah, non mais c'est-à-dire que là vous êtes le premier candidat, du coup bah on est que deux là pour l'instant, mais vous et moi quoi, ça fait zéro. Et du coup quand on va faire le tour du monde, quand on va s'arrêter, il va y avoir un peu de drague, de la meuf en bikini, ou ça se passe comment? Quand on s'arrête, c'est-à-dire que... Non, en fait le principe c'est qu'on fait un tour du monde, voyez. Donc du coup on va voguer plusieurs semaines en mer et on... Non on va pas s'arrêter en fait, on va... Enfin, on trace quoi, donc on va voir personne, il n'y aura pas de meuf. Ça va être sympa quand même. Attendez, revenez. Ça va être sympa quand même, on peut faire des escales. Le recrutement de mon équipage était un échec, il faut l'avouer. Après plusieurs candidats, aucun ne convenait.
Je décidai donc de partir seul et de m'isoler sur une île perdue en plein milieu de l'océan Pacifique. Et peut-être que j'allais finir mes jours-là. Bonjour, bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai vu sur le chemin là-bas et du coup, je vous ai reconnu, je vous cherchais en fait. Mais vous êtes venu comment là sur cette île perdue en Méditerranée? La neige, c'est juste à côté. 5 minutes de la terre, hein, franchement. Mais vous êtes pas venu en bateau? Non. Alors, c'est vous qui cherchez un équipage? Un équipage? C'est-à-dire que plutôt de... De voyez quoi? Non. Non, pas du tout. Parce que je suis une femme, c'est ça? Je m'imaginais plutôt quelqu'un de... D'accord. Et moi, je dis ça parce qu'en fait, j'ai un bateau et je cherche un équipage pour faire un voyage aussi, donc... Ah, vous avez un bateau? Ouais. Oui, j'ai un bateau. C'est marrant parce que quand je vous ai vu, là, que vous êtes apparu, je me suis dit, elle, ça ferait un super membre d'équipage, vous voyez? Voilà, c'est ce que je disais. C'est marrant, hein. Ouais. Donc, je vous emmène? Allez, on y va. Allez, on y va.